La secrétaire va vous contacter là, pour avoir un rendez-vous avec notre physiothérapeute. Par le suivi comme ça. Mais j'ai bien l'impression qu'en faisant votre physiothérapie, vous, aujourd'hui, le formulaire est rempli. J'avais un formulaire pour mon permis de conduire à faire remplir. Et puis, j'avais un mal à l'épaule aussi à faire vérifier. On inspire, on expire. Mais ça pourrait être encore mieux. Je me suis retrouvé sans médecin et ça a duré quand même quelques années. Je me suis inscrit au guichet, mais je n'avais pas de nouvelles. Jusqu'au moment où j'ai reçu une lettre qui me disait que le groupe de médecine familiale du Lac allait me prendre en charge. Super, merveilleux. C'est plus juste un médecin de famille, c'est une équipe de famille. On est une équipe qui entoure le patient, qui chacun a ses tâches et ses fonctions, puis le patient, maintenant, il peut dormir tranquille. Okay. Le petit nerf qu'on a là, ouais. Il tire à mort là, dans l'aller-retour. Là, la fin de l'entente fait en sorte que toutes les ressources qu'on a engagées, on n'a plus le financement pour les payer. Si on coupe nos ressources, si on ne peut plus avoir toutes ces physio-infirmières qu'on a engagées, ça remet en question la disponibilité que les médecins vont avoir. Parce que si on était capable de voir autant de monde, c'est parce qu'on se partageait la tâche à plusieurs. Et qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er juin prochain? Pour le moment, personne ne le sait parce qu'il doit y avoir une négociation entre la FMOQ et le gouvernement. Parfait, je vais écouter au niveau cardio. C'est toi en hiver, là. OK, parfait. Alors, c'est peut-être ça qui explique un peu. C'est sûr que ce n'est pas parfait. Il y a place à amélioration, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Mais il ne faut pas couper un service là, qui rend tant de bien à la population. Là. C'est une des choses qui fonctionne bien là, actuellement. Est-ce qu'on veut couper quelque chose qui fonctionne bien quand il y a tant de choses qui fonctionnent mal? Christine, on ne sait pas. Là, on a 7 infirmières ici. Okay. Bon. Prenez une bonne respiration.